Take you up in boom, boom, bow, shaboom, boom. Tell me I'm the only one that you know. Life could be a dream, sweetheart. Tu le souhaites, comme tu en as envie. Et donc je te laisse avec la suite et on se retrouvera juste après, bien sûr. Parce qu'il faut que tu vois quand même ma tête à la fin. Dans un premier temps, tu vas mettre tes noix du Brésil dans ton mixeur et tu vas mixer jusqu'à ce que ça te fasse une poudre assez épaisse. Enfin, ce serait même limite haché en fait dans le cas ici présent. Tu vas répéter l'opération avec tes flocons d'avoine et magie du montage, ça a un petit peu nettoyé autour. Je t'avoue que j'ai un peu galéré avec les flocons d'avoine. Donc après, tu vas les mettre dans ton saladier avec tes noix du Brésil, ta farine, ta petite pincée de levure. Tu vas y ajouter ton sucre complet. Tu continues de mélanger et magie du montage, tu n'as pas vu que j'ai fait fondre mon huile de coco. Voilà, que tu rajoutes tout simplement avec ton lait dans ta préparation. Tu vas ajouter maintenant ta cuillerée de sirop d'érable. Puis tu continues à mélanger généreusement. Donc tu vas voir que ça va se colmater et que ça va te faire en fait une petite pâte assez épaisse. Donc maintenant, pour donner un peu plus de gourmandise, tu ajoutes ton chocolat en morceaux. Et donc maintenant, on va pouvoir façonner nos granolas. Donc tu vas prendre en fait un moule ou un cercle à pâtisser et tu vas prendre, moi alors j'ai pris une cuillère doseuse pour avoir vraiment la même quantité sur chaque gâteau et j'ai colmaté, j'ai pressé avec le dos d'une cuillère pour vraiment avoir des gâteaux bien ronds. Donc tu peux le faire avec un moule carré, un moule rond, tu peux même le faire dans un plus grand moule, c'est toi qui choisis. Mais faut surtout par contre bien colmater et bien presser avec soit une cuillère, soit un verre, peu importe, mais il faut vraiment bien colmater. Puis ça part en cuisson pendant 5 minutes à 200 degrés et tu vas baisser ton four après les 5 minutes à 180 degrés pendant un petit quart d'heure. Et donc voilà, tes cookies, ils sont bien, ils sont croustillants, ils sont juste dorés. Et pour un peu plus de gourmandise, comme d'hab, hein, parce qu'on aime la gourmandise, tu vas prendre ton chocolat et tu vas y rajouter une petite cuillère à café d'huile de coco pour, en fait, tout simplement que ton chocolat il brille un peu plus. Mais franchement, t'es pas du tout obligé de rajouter ton huile de coco. Hein. Juste, tu fais fondre ton chocolat et puis tu vas le mettre en dessous de tes gâteaux. Donc tu vas presser un petit peu, tu vas faire une couche assez fine. Voilà, on est gourmand, mais faut pas non plus abuser, quoi. Et tu vas laisser reposer après sur une plaque de papier sulfu, sur une assiette, là où tu peux mettre tes gâteaux quand même. Parce que tu vois en fait ton chocolat il n'est pas encore froid, donc ça coule un peu sur les côtés. Et puis bah tu vas le laisser prendre voilà au frais hein, pendant une petite heure ma foi, pour que le chocolat il puisse se figer. T'es déjà la fin? Excuse-moi, j'avais pas vu le temps passer. J'étais en train de déguster cette petite merveille. J'ai pas les mots. Donc, j'espère que cette recette, elle t'aura plu. Je vais éviter de parler la bouche pleine. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu veux que je réinvente un peu des recettes comme ça, voilà. Du commerce en version healthy, vegan ou juste que je les refasse tout simplement en version normale. Donc j'espère que encore voilà cette recette t'aura plu. Et puis ben moi je te dis à la semaine prochaine. Ah oui, ciao, pardon.